Bravo les gars. Armel. Alors, on n'est pas bien là? Si, si, monsieur le président, on est bien. C'est frère. Je crois qu'il est temps de dévoiler aux Français leur nouvelle Élysée. Oh tiens, et si on se faisait la photo officielle? Attendez, ici là? Maintenant, je... Là. Ok. Mais bon, il faut trouver un photographe. On est sûr qu'on a les moyens, là? Non, mais je pose juste la question. Non, mais attendez, on est le parti du bien-être. On a un parti cool. On a un président 4.0. Attends, parce que là, tu me fais un petit peu peur. Tu penses à quoi? T'es sûr du selfie, là? Non, mais... Excusez-moi, non, mais je suis quand même le Premier ministre. Non, mais arrêtez, c'est quand même la photo officielle! Bon, vu que le fond est chum, je vais quand même mettre un petit filtre amaro sur Insta. De quoi? De quoi? Je vais améliorer la photo et je vais la poster sur les réseaux sociaux. Ah, la poste. Oh les gars, ça like de ouf. Eh, sa chère à balle. Je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit? Il y a quand même beaucoup de vannes, non? Mais ça, on s'en fout, monsieur le président. L'important, c'est qu'on parle de vous. Vous croyez? Ouais. C'est quoi encore tes conneries? Chérie... C'est parce qu'on est en train de finaliser le nouvel Élysée, je voulais te faire la surprise. Tu te fous de ma gueule? Ça fait 6 mois que je me tape des marchés, des maisons de retraite et des kermesses, pour finir dans ce trois rats? Allez, on rentre à l'Élysée. Non mais attends! C'est parce qu'il faut imaginer fini! Regarde, là, il y aura mon grand bureau, et là... Ta gueule! Je t'attends dans le taxi. Non, mais attends! Attendez, c'est rien, elle dit ça pour rire, je la connais. Je reviens. Dans le doute, faudrait réfléchir à un autre projet. Hmm? Au cas où. Hmm? Mais les gars, on fait un buzz de ouf, là. On peut trop pas partir. Paris réussi pour Franck Martineau. En seulement quelques mois, le président 4.0 a su accompagner les Français vers le changement. On parle de déplacer le Kremlin dans la banlieue de Moscou. Et aux États-Unis, il est question de réorganiser la Maison Blanche en flex-office.